Comme on n'a pas de thunes, on va faire venir le futur dans le présent, dans des décors qui sont à portée de main, vraiment littéralement au bout de la rue. Je viens du futur. Ben, François, il avait monté son blog French Nerd au courant de l'année, début d'année 2009 ou fin 2008, un truc comme ça. Moi, je participais déjà à des petites vidéos qu'il faisait. C'était soit des courts-métrages très courts, très, très débiles, soit des petits détournements et tout. Et il cherchait un projet un peu plus fat à lancer, mais enfin bon, en même temps, avec les moyens qu'on avait, c'est-à-dire rien du tout. Mais je sais qu'il voulait faire de la science-fiction depuis très longtemps. Et il a eu d'un coup, je sais pas, une espèce de vision. Il m'a dit, c'est bon, j'ai trouvé, comme on n'a pas de thunes, on va faire venir le futur dans le présent, dans des décors qui sont à portée de main, vraiment littéralement au bout de la rue. Il y avait le bois de Vincennes, donc il a commencé à écrire des petits sketchs comme ça, et puis il m'a demandé à moi d'interpréter le visiteur, à Raph, son petit frère, d'interpréter le rôle de Raph. Raph a fait venir ses deux potes d'enfance, donc le projet est vraiment parti sur une base très simple, très humble entre nous comme ça. François a quand même ce talent de savoir vraiment écrire des trucs drôles, efficaces, avec à chaque fois un ton ou un univers un peu innovant, et comme il sait tout faire, c'est lui qui cadrait, qui prenait le son sur sa caméra. C'est pour ça que c'est filmé de très près au début, parce que c'était un micro canon qui prenait le son comme ça. Et après, il a fait le montage, il a fait des petits habillages, des petites coupes comme ça, avec des illustrations, et ça a fait la blague. Et les gens ont vachement adhéré à ce truc-là rapidement. En quelques jours, on a eu des milliers de vues sur la vidéo, donc on a compris qu'on dépassait notre cercle d'amis proches, quoi. On a trouvé ça cool et motivant, et tout de suite, François a senti que le projet pouvait avoir un petit avenir. Après, on était loin de se douter qu'il finirait au cinéma. Ça a duré comme ça sur Internet pendant 5 ans. Et on est passé de zéro budget à une perche, un gars pour prendre le son, un gars pour faire de la lumière. Doucement mais sûrement, les équipes ont grandi, les moyens ont un peu grossi. Et ce qui fait la particularité de ce projet, et c'est la chance qu'on a, c'est que toute cette petite bande-là, on voulait tous un jour travailler dans le cinéma ou être comédien. Et donc du coup, ce qui peut sembler comme un projet de pote vraiment en mode full délire, en fait, pour de vrai, on avait tous ce désir de se professionnaliser. L'année où on a commencé le visiteur en 2009, moi je suis rentré au conservatoire à Paris, donc on tournait le week-end. Le week-end on faisait des trucs complètement dingues pour internet, sur du voyage dans le temps, des blagues bien débiles et des intrigues parfois un peu plus ambitieuses, mais toujours avec les moyens du bord. Et puis à côté de ça, j'étais au conservatoire national et j'étudiais des textes hyper classiques, donc c'était très complémentaire. C'est assez brumeux dans ma tête, ce souvenir, parce que j'ai pas souvenir qu'il m'ait dit vraiment exactement. En fait, le truc, c'est que je savais qu'il fallait qu'il y ait une énergie particulière, et lui, il me disait, il y a Kyle Reeves de Terminator dans le style, mais dans l'énergie, c'était plutôt Doc Brown de Retour vers le futur. Et donc, c'était des rêves qui me parlaient, mais il y a un moment, je savais que si François me confiait ce rôle-là, c'était aussi parce que à ce moment-là, j'avais ce tempérament, on va dire, et que ça correspondait bien à ce que j'étais. Donc on a lancé ce truc-là sans vraiment trop comprendre. Enfin, je le dis moi, et c'est encore le cas aujourd'hui, parce que j'ai la chance d'interpréter ce personnage d'année en année, et là, avec son retour au cinéma. Et je continue de découvrir des choses sur ce personnage. C'est un personnage très ambigu, très complexe, qui est à la fois vraiment charismatique et héroïque, mais en même temps qui est crétin et vraiment débile. Puis il a vraiment des objectifs nobles de vouloir sauver l'humanité, tout ça, et en même temps, c'est quelqu'un qui manipule beaucoup, qui est menteur, qui se raconte des histoires aussi, qui se berce d'illusions. Bon, c'est un personnage fascinant que je continue de découvrir, mais ce qui est sûr, c'est qu'au tout début, quand François écrivait des sketchs semaine par semaine pour les tourner le week-end, moi, j'avais l'impression presque d'avoir un temps de retard sur le personnage. Je me dis, ah bon, d'accord, si je fais ça maintenant, c'est parce qu'en fait, ça avait ce sens-là. Et c'est comme ça que, de façon très empirique, on a découvert le matériau qu'on avait, et ce qui est bien, c'est qu'il a pu vraiment évoluer dans le temps. Ouais, je pense. Après, je pense que j'ai une place privilégiée aussi dans mon intimité avec lui. Donc, je saurais faire la part des choses si c'est pas perdu en chemin et que le projet s'est vidé de sa substance. Alors, à ce moment-là, je pense que peut-être, oui, j'y réfléchirai à deux fois, mais j'aurais le bon œil pour sentir ça. Si tu construis ta centrale, voilà ce qui va se passer.
Tous les 70 ans, le nuage tue 50% de la population à chacun de ses passages. Il est bien gros, là.